La clé de la maîtrise de Charles F. Harlan, lu par Audrey de la chaîne Les Good Vibes Audrey Coaching. Sixième partie. Je suis fière de présenter ici la sixième partie. Elle vous offrira une excellente compréhension du plus merveilleux mécanisme jamais créé. Un mécanisme qui vous permet de créer santé, force, succès, prospérité ou toute autre circonstance désirée. Les besoins sont des demandes. Les demandes créent une action et les actions engendrent des résultats. Le processus d'évolution construit constamment nos lendemains à partir de nos aujourd'hui. Le développement individuel, tout comme le développement universel, doit être progressif et démontrer une capacité et un volume toujours croissant. Le fait de savoir que si nous violons les droits d'autrui, nous sommes tels des épines morales qui s'enfoncent à chaque virage. Et doit indiquer que le succès repose sur l'idéal moral le plus élevé, c'est-à-dire le plus grand bien envers le plus grand nombre. Le maintien constant et persistant de l'aspiration, du désir et des relations harmonieuses aura des résultats. Le plus grand obstacle provient des idées incorrectes et inébranlables. Pour être en accord avec la vérité éternelle, nous devons posséder équilibre et harmonie intérieure. Afin de recevoir l'intelligence, le récepteur doit s'accorder à l'émetteur. La pensée est un produit de l'esprit, et l'esprit est créateur. Mais cela ne signifie pas que l'universel changera son mode de fonctionnement pour s'adapter à nous ou à nos idées. Cela signifie par contre que nous pouvons entrer en relation harmonieuse avec l'universel. Et une fois ceci accompli, nous pouvons demander tout ce à quoi nous avons droit. La voie nous sera indiquée. L'esprit universel est si merveilleux qu'il est difficile de comprendre sa puissance, ses possibilités utilitaires et sa production d'effets illimités. Nous avons constaté que cet esprit n'est pas seulement toute intelligence, mais toute substance. Comment dès lors le différencier dans la forme? Comment obtenir l'effet que nous désirons? Demandez à un électricien quel est l'effet de l'électricité, et il vous répondra que l'électricité est une forme de mouvement, et ses effets dépendront du mécanisme qui lui est rattaché. De ce mécanisme, nous obtiendrons de la chaleur, de la lumière, de la puissance, de la musique ou toute autre merveilleuse démonstration du pouvoir de cette énergie essentielle. Quel effet peut donc être produit par la pensée? La réponse est que la pensée est l'esprit en mouvement, tout comme le vent et l'air en mouvement, et que son effet dépendra entièrement du mécanisme qui lui est rattaché. C'est ici donc que se trouve le secret du pouvoir mental. Il dépend entièrement du mécanisme qu'il s'y rattache. Quel est ce mécanisme? Vous connaissez le mécanisme inventé par Edison, Bell, Marconi et d'autres magiciens de l'électricité, qui réduit le lieu, l'espace et le temps à des figures de style. Mais n'avez-vous jamais pensé que le mécanisme qui vous a été donné pour transformer le pouvoir potentiel universel et omniprésent a été inventé par un inventeur supérieur à Edison? Nous sommes habitués à examiner le mécanisme des instruments que nous utilisons pour labourer le sol, et nous essayons de comprendre le mécanisme de la voiture que nous conduisons. Mais la plupart d'entre nous ne demandons pas mieux que de rester dans l'ignorance absolue du plus grand mécanisme qu'il ait jamais existé, le cerveau humain. Examinons les merveilles de ce mécanisme. Peut-être obtiendrons-nous de ce fait une meilleure compréhension des divers effets dont il est la cause. En premier lieu, il y a le vaste monde mental dans lequel nous vivons. Nous nous mouvons et avons notre être. Ce monde est omnipotent, omniscient et omniprésent. Il répondra à notre désir de manière directement proportionnelle à notre but et à notre foi. Notre but
doit être conforme à la loi de notre être, c'est-à-dire qu'il doit être créateur ou constructif. Notre foi doit être assez forte pour engendrer un courant de force à même d'apporter la manifestation de notre but. Il vous sera accordé selon votre foi. Les effets produits dans le monde extérieur sont le résultat de l'action et de la réaction de l'individuel sur l'universel. C'est le processus que nous appelons pensée. Le cerveau est l'organe qui accomplit ce processus. Telle est la merveille de la pensée. Aimez-vous la musique, les fleurs, la littérature? Ou vous sentez-vous inspiré par les pensées des anciens génies? Souvenez-vous que toute beauté à laquelle vous répondez doit d'abord avoir été esquissée dans votre cerveau pour que vous puissiez l'apprécier. Il n'est pas de vertu ou de principe dans l'entrepôt de la nature que le cerveau ne puisse exprimer. Le cerveau est un monde embryonnaire qui est prêt à se développer à tout moment dès qu'une nécessité se fait sentir. Si vous pouvez comprendre qu'il s'agit là d'une vérité scientifique, d'une merveilleuse loi de la nature, il vous sera plus facile de comprendre le mécanisme qui contribue à l'accomplissement de ces extraordinaires résultats. Le système nerveux a été comparé à un circuit électrique, avec sa batterie de cellules engendrant la force et sa matière blanche, dont les fils isolés transportent le courant. C'est à travers ces canaux que chaque impulsion ou désir est menée à bonne fin dans le mécanisme. La moelle épinière est le grand moteur et est la voie sensorielle qui sert à la transmission des messages vers et depuis le cerveau. Ensuite, il y a l'approvisionnement en sang qui plonge à travers les veines et les artères en renouvelant notre énergie et notre force. C'est la structure parfaite sur laquelle repose l'ensemble de notre corps physique. Et finalement, notre belle peau délicate revêt l'ensemble du mécanisme dans son manteau de beauté. Tel est le temple du Dieu vivant dont le « je » individuel reçoit le contrôle. Le résultat dépendra de sa compréhension du mécanisme qu'il contrôle. Chaque pensée met en action les cellules cérébrales. Au début, la substance sur laquelle la pensée est dirigée ne répond pas. Mais si la pensée est suffisamment raffinée et concentrée, en fin de compte, la substance cède et s'exprime à la perfection. Cette influence de l'esprit peut être exercée sur n'importe quelle partie du corps et causer l'élimination de tout effet indésirable. La parfaite conception et compréhension des lois régissant le monde mental ne peut qu'avoir une valeur inestimable dans les transactions commerciales, étant donné qu'elle développe le pouvoir du discernement et offre une compréhension et une appréciation plus claire des faits. L'homme qui regarde en lui plutôt qu'à l'extérieur ne peut que se servir des puissantes forces qui détermineront par la suite le cours de sa vie et qui le font ainsi vibrer avec tout ce qu'il y a de meilleur, de plus fort et de plus désirable. L'attention ou la concentration constitue probablement la caractéristique essentielle, la plus importante pour le développement de la culture de l'esprit. Les possibilités de l'attention correctement dirigée sont si surprenantes qu'elles paraîtraient à peine croyables aux non-initiés. La culture de l'attention est la caractéristique distinctive de tout homme ou de toute femme prospère. C'est le plus haut accomplissement personnel que l'on puisse acquérir. Le pouvoir de l'attention peut être aisément compris en le comparant à une loupe focalisant les rayons du soleil. La loupe ne possède pas de force particulière aussi longtemps que vous la déplacez et que vous dirigez les rayons du soleil d'un point à l'autre. Mais si vous maintenez la loupe parfaitement fixe et que vous laissez les rayons se concentrer sur un point pendant assez longtemps, son effet sera immédiatement manifeste. Il en va de même pour le pouvoir de la pensée. Si vous dissipez ce pouvoir en dispersant votre pensée d'un objet à un autre, vous n'obtenez aucun résultat. Mais si vous focalisez ce pouvoir grâce à votre attention ou à votre concentration sur un simple objectif pendant une certaine période de temps, plus rien n'est impossible.
Remède très simple pour une situation très complexe, diront certains, d'accord. Essayez. Vous qui n'avez jamais expérimenté de concentrer votre pensée sur un but ou sur un sujet défini. Choisissez un sujet tout simple et concentrez-y votre attention pendant 10 minutes dans un but défini. Vous n'y arrivez pas, hein? Votre esprit errera une bonne dizaine de fois et il vous sera nécessaire de le ramener sur le but original. Chaque fois, vous aurez perdu l'effet de votre concentration et à la fin des 10 minutes, vous n'y aurez rien gagné parce que vous n'aurez pas réussi à stabiliser votre pensée sur votre but. Toutefois, c'est par l'attention que vous arriverez finalement à surmonter les obstacles de toutes sortes qui apparaissent, tandis que vous avancez et que vous élevez sur la voie. La seule manière d'acquérir ce merveilleux pouvoir, c'est par la pratique. La pratique mène à la perfection, en ceci comme en tout. Afin de cultiver le pouvoir de l'attention, emportez avec vous une photographie sur le même fauteuil de la même pièce, tout en adoptant la même position que la semaine dernière. Examinez-la attentivement pendant au moins 10 minutes. Notez l'expression des yeux, la forme des traits, l'habillement, la coiffure. Notez soigneusement chaque détail de la photographie. Maintenant que vous avez bien mémorisé cette photo, couvrez-la. Fermez les yeux et tentez de visualiser mentalement ce que vous venez de voir précédemment. Si vous pouvez visualiser parfaitement chaque détail et si vous pouvez former une image mentale correcte de la photographie, je vous en félicite. Dans le cas contraire, répétez le processus jusqu'à ce que vous y arriviez. Cette étape sert simplement à préparer le terrain. La semaine prochaine, nous serons prêts à y semer la graine. Ce sont des exercices comme celui-ci qui vous permettront finalement de contrôler vos humeurs mentales, votre attitude et votre conscience. Les grands financiers apprennent à se mettre fréquemment en retrait de la multitude afin d'avoir plus de temps pour élaborer des projets, penser et engendrer de bonnes dispositions mentales. Les hommes d'affaires prospères démontrent constamment qu'il est précieux de demeurer en contact avec la pensée d'autres hommes d'affaires prospères. Une seule idée peut valoir des millions de dollars. Ces idées peuvent uniquement approcher ceux qui y sont réceptifs, ceux qui sont prêts à les recevoir, ceux qui sont dans une disposition d'esprit prospère. Les hommes apprennent à s'harmoniser avec l'esprit universel. Ils apprennent l'unité de toutes choses. Ils apprennent les méthodes et les principes de la base de la pensée. Et ceci est en train de changer leurs circonstances et de multiplier leurs résultats. Ils constatent que circonstances et environnement suivent la tendance du progrès mental et spirituel. Ils constatent que la croissance suit la connaissance, que l'action suit l'inspiration, que l'occasion suit la perception. Le spirituel précède toujours la transformation dans les possibilités infinies et illimitées de l'accomplissement. Comme l'individuel n'est que le canal de différenciation de l'universel, ses possibilités sont nécessairement inépuisables. La pensée est le processus qui nous permet d'absorber l'esprit du pouvoir et d'en conserver le résultat dans notre conscience intérieure, jusqu'à ce qu'il intègre notre conscience ordinaire. La méthode qui permet d'accomplir ce résultat par la pratique persistante de quelques principes fondamentaux, tels qu'expliqués dans ce système, est la clé de la maîtrise qui ouvre l'entrepôt de la vérité universelle. Les deux grandes sources de souffrance humaine actuelles sont les maux corporels et l'anxiété ou l'inquiétude mentale. On peut aisément ramener ces souffrances à l'infraction d'une loi naturelle. C'est sans aucun doute dû au fait que, jusqu'ici, la connaissance est demeurée très partielle. Mais les nuages d'obscurité qui se sont accumulés à travers les âges commencent à s'éloigner en emportant avec eux les nombreuses misères qu'une information imparfaite cultivait.
Question d'étude de la sixième partie. Citez quelques-uns des effets susceptibles d'être produits par l'électricité. La chaleur, la lumière, la puissance, la musique. De quoi dépendent ces différents effets? Du mécanisme relié à l'électricité. Quel est le résultat de l'action et de l'interaction de l'esprit individuel sur l'universel? Les conditions et les expériences que nous rencontrons. Comment pouvons-nous modifier ces circonstances? En changeant le mécanisme qui différencie l'universel dans la forme. Quel est ce mécanisme? Le cerveau. Comment pouvons-nous le modifier? Par le processus que nous appelons pensée. Les pensées produisent les cellules cérébrales et ces cellules répondent à une pensée correspondante dans l'universel. Quelle est l'importance de la concentration? C'est le plus haut accomplissement personnel pouvant être acquis et la caractéristique de tous les hommes et toutes les femmes prospères. Comment peut-on l'acquérir? En faisant fidèlement les exercices de ce système. Pourquoi est-ce si important? Parce que la concentration nous permettra de contrôler nos pensées. Étant donné que les pensées sont des causes, les conditions doivent en être les effets. Aussi, si nous pouvons contrôler les causes, nous pouvons aussi contrôler les effets. Qu'est-ce qui modifie les circonstances et multiplie les résultats dans le monde objectif? L'apprentissage de la méthode de la base de la pensée constructive. Nous arrivons à la fin de la sixième partie du livre « La clé de la maîtrise » de Charles F. Hanel. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes Audrey. Et je vous dis à très très vite pour la suite. Merci.